You filled me up to the top. You filled me with your love. It feels so good. It feels so good. Like I'm never coming down. And ever since that day, the ground beneath me fades away. It fades away. It fades away. Salut à toutes et à tous, c'est Herpawings. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le logiciel IVAC. Alors ce logiciel, pour le comprendre, il faut déjà connaître IVAO. IVAO c'est un réseau qui vous permet de voler en réseau avec d'autres pilotes et d'être contrôlé. Donc voilà. Autour d'IVAO, il y a trois logiciels. Le premier c'est IVAP, qui est une extension de Flight Simulator ou Mixplane, qui permet de régler les fréquences, de donner des messages par texte et de se connecter à IVAO. Il y a le logiciel IVAC, qui est un logiciel à part entière. On n'est pas obligé d'avoir Flight Simulator pour utiliser IVAC, et il permet de faire le contrôle aérien. Et on a un logiciel qui s'appelle IVAI, c'est encore autre chose, ça permet de... Pour faire simple, vous pouvez être en contrôle aérien avec une connexion sur IVAO, et en même temps être sur Flight Simulator, par exemple sur un autre écran ou dans une autre fenêtre, et vous pouvez voir les trafics qui se déplacent sur le sol de l'aéroport. Parce que sur IVAO, l'une des règles, c'est qu'il est interdit de se connecter à la fois en tant que pilote et en tant que contrôleur. Une connexion par personne maximum. Donc ce logiciel IVAC, c'est celui qui permet de contrôler, comme j'ai dit. Et quand on le voit au premier abord, il n'est pas très facile à aborder. Il y a beaucoup de boutons, c'est des abréviations, c'est un peu compliqué à comprendre. Donc c'est pour ça. Il y a la documentation IVAO, mais la documentation IVAO, elle est plus, elle rentre plus en profondeur au niveau des procédures et de ce genre de choses, et pas tant que ça sur l'utilisation des logiciels. C'est pour ça que, moi, perso, le plus gros de ma formation, entre guillemets, sur IVAC, ça a été grâce à des vidéos sur YouTube. Donc c'est pour ça que j'en fais une maintenant, étant donné que j'ai compris comment ça fonctionne, et que j'ai envie de faire partager, ce savoir. Qui n'est pas très facile à acquérir, faut être honnête. Il y a beaucoup de monde qui fait des vidéos sur IVAC, et chacun a son point de vue, et je trouve que c'est en croisant les points de vue qu'on finit par trouver le nôtre, et savoir en gros comment ça fonctionne. Bref. Donc IVAC, on a une interface comme ça, un radar, tout simplement, avec trois grosses fenêtres et trois petites fenêtres. Dans la plus petite des fenêtres, on a l'heure, UTC, donc l'heure de Greenwich. Dans la fenêtre de taille moyenne, on a à gauche, ici elle est pas présente, mais normalement on a l'information météo, qui permet de s'assurer au contact initial que le pilote a bien lu Lattice, qui contient les données météo et éventuellement si vous avez autre chose à dire sur la plateforme. Ici, en gros, on a avec quatre chiffres, on a le QNH, c'est la pression atmosphérique au niveau de la station météo de l'aéroport, donc là on est sur Bordeaux, hein. L'aéroport de Mérignac. Là, vu qu'on n'est pas connecté, c'est des informations qui sont pas trop valides. L'heure, elle est valide, mais les autres informations, elles sont pas valides pour le moment. Donc, le QNH pour le moment, c'est pas 2013, il me semble. Ça doit pas être très loin parce qu'il fait beau, mais voilà. En dessous, on a les vents. Donc, avec trois chiffres, c'est la direction, slash, la vitesse. La vitesse, elle est en nœuds. Et en gros, à peu près, c'est à peu près ça. Hein. Un nœud égale environ 2 km/h. À peu près. Ici on a la strip, donc je vais vous montrer tout à l'heure quand on se connectera en observateur à quoi sert la strip, c'est pour avoir des informations sur un avion en particulier. Donc ensuite on a le radar avec plein d'informations comme par exemple des secteurs aériens, des points de report VFR comme ici Novembre Alpha, des points pour les avions IFR, d'autres aéroports, des zones de restriction comme ici Bordeaux, et sur l'aéroport que l'on contrôle on a plus de détails comme par exemple le nom des taxiways. Et les équipements, par exemple, ici on voit qu'il y a un ILS en piste 23 et 29. Donc, les trois autres grandes fenêtres que l'on a, c'est la ATC box, in-out box et com box.
La ATC, elle permet de voir quels sont les contrôleurs aériens. Pardon, j'ai bugué. Quels sont les contrôleurs aériens qui sont actifs autour de votre position. Par exemple, si vous contrôlez la tour de Bordeaux-Mérignac et que l'approche n'est pas connectée ou le départ n'est pas, ne sont pas connectés, dans ces cas-là, il pourrait être intéressant de voir si Bordeaux contrôle, donc le centre de contrôle qui est au-dessus de la tour, si l'approche et le départ ne sont pas là, est connecté. Parce que si c'est le cas, il vaut mieux déjà dire bonjour au contrôleur et éventuellement avoir une discussion au niveau des trafics aériens qui peuvent se transférer de l'un à l'autre. Ça peut être intéressant. Ensuite, on a la in-out box qui vous permet de savoir quels sont les trafics qui viennent sur vos installations, quels sont les trafics qui en partent. Ça donne également quelques autres informations que les contrôleurs remplissent manuellement sur l'altitude et le dernier point de passage vers lequel l'avion a été éclairé. Donc ça, je vous expliquerai plus tard comment ça fonctionne. Et enfin, la combox, probablement la plus importante, c'est là où on règle beaucoup d'informations. Donc déjà, on a plusieurs onglets. Le premier, c'est celui de votre fréquence. C'est celui qui vous permet de parler à un trafic qui n'a pas de micro, par texte. C'est aussi celui qui vous permet, éventuellement, si vous avez un souci technique, d'avertir tous les contrôleurs qui sont... d'avertir, pardon, tous les pilotes qui ont leur radio VHF sur votre fréquence, d'envoyer un message à tout le monde. Voilà, donc pour changer la fréquence, c'est simple, il vous suffit d'aller ici, sur la zone où on écrit, hein, donc là, de faire double slash et la fréquence que vous voulez. Par exemple, là, je mets la fréquence de l'Unicom, 122 décimales 800, et l'intitulé de l'onglet change, en fonction de la fréquence sur laquelle on est connecté. Moi, en tant que tour 2 Mérignac, c'est 118.3. On a ici l'onglet Métard, qui nous permet d'avoir le Métard d'autres, déjà de notre aéroport, donc en l'occurrence Bordeaux-Mérignac, et d'autres aéroports. La fréquence Guard, qui est utilisée, je suis pas certain, parce que perso, je m'en suis encore jamais servi. Mais il me semble que c'est quand il y a un gros problème, il y a des gens qui peuvent mettre des informations là-dessus. Enfin bon, moi je sais que j'ai pas à y toucher, et je n'y touche pas. La ATC, l'onglet ATC, c'est celui où vous écrivez quand vous êtes ouvert ou fermé. Donc une fois que vous êtes connecté sur IVAO, vous n'êtes pas directement prêt à contrôler. Il faut remplir votre ATIS, il faut voir quels sont les trafics au sol, et il faut lancer votre channel TeamSpeak. Tout ça, je vais vous le montrer dans un instant. Donc, pendant toute cette période-là, vous n'êtes pas prêt à contrôler, et une fois que vous êtes prêt à contrôler, vous pouvez envoyer un petit message « Open », entrer, et comme ça, les autres contrôleurs savent que vous êtes prêt à contrôler. De même, avant de fermer, on envoie un petit message close pour avertir que la fréquence, que ça sert à rien de transférer les trafics sur Bordeaux-Tours, parce que Bordeaux-Tours aura fermé, par exemple, etc., etc. Broadcast, ça, c'est une fréquence où il ne vaut mieux pas écrire. C'est la fréquence où les superviseurs, il me semble que c'est eux qui envoient le message, ou les examinateurs, je sais pas. Par exemple, quand il y a un ADC sur un aéroport, dans ces cas-là, les superviseurs ou je sais pas qui c'est qui s'occupe de ça, ils vont envoyer un message sur la fréquence broadcast pour que tous les pilotes et les contrôleurs soient au courant que telle ou telle personne passe son ADC et que ça pourrait être intéressant de venir pour qu'il y ait du trafic et voir le niveau du contrôleur. Donc cette fréquence là on n'a pas à s'y rendre. Après si ça vous intéresse vous pouvez aller regarder ce qui se passe. Comme ça si vous contrôlez depuis un petit moment et que vous avez envie de voler un peu, vous jetez un œil à l'onglet et s'il y a quelque chose qui se passe, dans ces cas-là, vous pouvez tout simplement vous rendre sur cet aéroport. Have fun! Bref. Le dernier onglet, c'est l'onglet MSG, message, où vous recevez des messages du système, généralement, donc de IVAC, qui vous donne l'indication comme quoi vous êtes connecté, comme quoi tel ou tel centre de contrôle vous a transféré tel ou tel trafic, etc. etc. Ça, c'est l'onglet qui est, je pense, le plus énervant, parce que dès que vous recevez un message sur l'un des onglets, cet onglet devient rouge. Enfin, l'onglet en question devient rouge. Et ça peut être assez énervant de toujours devoir aller sur MSG pour confirmer que vous avez reçu un trafic. Enfin, c'est un peu énervant à la longue. Donc, pour revenir à la in-out box, pour la régler c'est simple, parce que vous êtes obligé de régler manuellement quand vous contrôlez sur un aéroport comme Bordeaux, vous pouvez éventuellement être intéressé par savoir ce qui se passe sur cet aérodrome, par exemple Limafox Charlie Delta. Pour ce faire, vous allez dans l'onglet PVD en haut ici, et dans IO Options, donc In-Out Options. Et là, vous rentrez les aéroports que vous voulez, dont vous voulez avoir les infos trafic. Donc là, c'est LFVD, étant donné que c'est de Bordeaux qu'on veut savoir si c'est du monde ou pas. Voilà, donc ça c'était en gros pour l'interface de IVAC. Ensuite, on a une longue barre ici avec plein d'options. Ces options, vaut mieux aller regarder dans la documentation d'IVAO. C'est là qu'on a le plus d'informations les concernant. C'est là aussi que c'est le plus détaillé.
après, ça peut être un peu énervant de savoir que, par exemple, Z1, Z2, Z3, Z4, c'est des différents niveaux de zoom. Bon, c'est pas forcément le genre d'information capitale pour commencer à contrôler, mais c'est bon à savoir. Donc les onglets principaux, c'est Connect, pour se connecter, et ensuite il deviendra Disconnect quand vous serez connecté. Ça vous permet donc de vous connecter et de vous déconnecter, ça n'est pas trop compliqué à comprendre. L'onglet PVD, qui s'occupe de tout ce qui est affichage du radar. Donc vous avez Load Sector, ce qui vous permet d'ouvrir un fichier téléchargé au préalable sur le site d'IVAO avec le radar. Voilà, donc il faut aller sur le site d'IVAO dans je ne sais plus trop, dans FIR, vous sélectionnez la FIR, peu importe la FIR où il y a l'aéroport, fichier secteur, et là vous avez tous les fichiers secteurs de la FIR. Donc il suffit de cliquer sur le lien et ensuite de manuellement aller placer le fichier SCT, donc secteur, dans le dossier Programme Files IVAO IVAC Sector Files. Voilà. Et ensuite, vous double-cliquez sur un secteur pour l'ouvrir. Donc, moi j'ai le secteur de Bordeaux, donc tout va bien, étant donné que c'est là que je voudrais aller contrôler. Maintenant, il faut savoir quels centres de contrôle sont ouvrables. Alors, sur la plupart des aéroports français, il n'y a que quelques centres de contrôle qui sont ouvrables. Au maximum, on peut avoir 6 positions de contrôle ouvertes. On peut avoir la DEL, qui donne les informations concernant les premières clairances sur le vol. Le sol qui s'occupe du roulage des avions, la tour pour toutes les opérations sur les pistes, le départ, donc pour assurer le contrôle aérien d'un avion à partir du moment où il a dégagé la piste, en gros, donc à partir du moment, pour ceux qui s'y connaissent, où il atteint le plafond de la CTR jusqu'au moment où il atteint le plafond de la TMA. Donc ça, je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne un peu plus tard. On a l'approche qui s'occupe de, ben, pareil, à partir du moment où un avion passe en descente, l'altitude maximale de la TMA et qu'il est dans ce grand rectangle, ce gros machin qui ressemble à rien, et ben dans ce cas là le contrôleur doit le contacter pour lui donner des informations sur le guidage, quelle approche, quelle piste, etc. On a ensuite le centre de contrôle qui lui s'occupe de le centre de contrôle en vol qui s'occupe de gérer les trafics tout simplement en vol à partir du moment où il a passer le plafond de la TMA de l'aéroport de départ, et tant qu'il n'a pas dépassé le plafond de la TMA de l'aéroport de destination en descente, et bien dans ces cas-là, c'est le centre de contrôle qui s'occupe de gérer ce trafic. Donc il y a 5 centres de contrôle par FIR en France. Donc il y a la FIR de Bordeaux, la FIR de Reims, la FIR de Paris, la FIR de Brest, celle de Marseille, et c'est tout. Donc nous, Bordeaux, c'est un peu logique, c'est dans la FIR de Bordeaux. Et par exemple, il y a d'autres aéroports, comme par exemple Lyon-Saint-Exupéry, où c'est un petit peu... c'est pas forcément évident de savoir dans quelle FIR il se situe. Donc Lyon-Saint-Exupéry, si vous voulez savoir, c'est dans la FIR de Marseille. Je vous dis ça comme ça. Flash. Voilà, bref. Donc, un autre onglet intéressant, c'est l'onglet ATIS, que l'on va remplir une fois connecté. Donc on va pas le remplir ici, parce qu'on va se mettre en observateur. Donc on va simplement regarder les trafics, on pourra pas agir sur les centres de contrôle ou sur les avions eux-mêmes. Donc l'ATC position, il faut mettre le nom de l'aéroport, en l'occurrence Mérignac, et la position en anglais, donc Tower par exemple si vous faites la tour. Voice, c'est important de le cocher. Bon là il est pas cochable tout simplement parce qu'on n'est pas connecté, mais bref. Quand vous venez de vous connecter, il faut aller cocher l'onglet Voice et sélectionner un serveur TeamSpeak. Peu importe lequel, mais l'intérêt c'est qu'il fonctionne, et le mieux ce serait qu'il soit pas trop chargé, parce que plus un serveur TeamSpeak est chargé, moins c'est pratique de... En fait, ça change rien. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bref. Information suivante. Airspace. Donc, transition level. Transition level. C'est surtout la transition altitude. Alors, transition altitude, elle est donnée sur les cartes du SIA. Voilà. Donc, j'ai les cartes imprimées sous les yeux, mais je vais vous montrer quand même, je suis gentil, sur Internet, la tête des cartes. Donc, la transition altitude, elle est notée sur certaines cartes, ici, en haut à droite. TA. Donc là, il est de 5000 pieds. Donc on va rentrer dans transition altitude, 5000 pieds. Transition level, c'est pour les vols IFR. On va mettre le FL50, étant donné que c'est 5000 pieds en flight level. Et j'ai un petit trou de mémoire, mais il me semble qu'à partir du moment où le QNH est inférieur à 1013, par exemple 1012, dans ces cas-là, le niveau, ça devient 6-0.
Mais ça, faut aller regarder sur dans la section instructions de IVAO, parce que j'ai un petit trou de mémoire, je me souviens plus si c'est le cas ou pas. Ensuite, ici, MetaStation, il est rentré normalement, il est rentré automatiquement. Donc c'est LFBD en l'occurrence. Takeoff et landing, c'est les pistes de décollage et d'atterrissage. Donc généralement, la 23 à Bordeaux, puisque c'est la piste préférentielle. Et si vous avez des remarques, comme par exemple que vous êtes débutant, que vous voulez que le pilote ait des cartes à bord, ce qui est normalement obligatoire, mais on se rend compte en contrôlant que finalement assez peu de monde se retrouve avec les cartes à bord, si vous voulez être certain que le mec ait bien les cartes à bord, vous le notez dans votre ATIS, etc., etc. Ensuite, normalement, vous cliquez sur OK. Mais là, on clique sur Cancel puisqu'on n'est pas connecté. Donc, la dernière chose que je vais vous apprendre dans ce tutoriel, c'est comment vous connecter. Pour faire ça, vous cliquez sur l'onglet Connect. Vous mettez votre call sign. Donc, par exemple, LFBD Tower. En l'occurrence, on va faire de l'observation. Donc, je vais mettre ON pour mon nom et tirer du 8 OBS pour observateur. LFBB, c'est le centre de contrôle. Donc, je jette un œil en gros à toute la FIR. Le VID, donc ça c'est donné, le VID et password, c'est donné dans les mails au niveau de l'inscription. Serveur adresse, peu importe. Voice, si vous voulez parler avec un autre contrôleur, ou non, peut-être pas avec un pilote, mais si vous voulez parler avec un autre contrôleur en channel commander, pour pas que les pilotes entendent, dans ces cas-là, vous sélectionnez, le mieux c'est de sélectionner le serveur TeamSpeak où se trouve votre contrôleur, par exemple le 14, 16, 2 ou 3. Généralement, je suis sur le 16 parce que c'est le moins chargé. Aujourd'hui, c'est le plus chargé. Bon, bref. Ça change rien. Et port, je sais pas ce que c'est, donc mieux vaut ne pas y toucher. Et là, normalement, vous cliquez sur connect. Et ça va vous connecter automatiquement. Link engaged. Oula. Donc, sur TeamSpeak, on est sur IVAO, ici. Et sur Unicom, pardon. La fréquence Unicom. Et vous pouvez voir qu'il y a tous les centres de contrôle. Ou pas. Enfin, lui, il va me gonfler vite, hein. Alors, attendez deux secondes. Et tac, et voilà, il va plus me gonfler. On a tous les centres de contrôle ouverts sur ce serveur TeamSpeak. Donc, par exemple, on a l'approche de Toulouse. On a le centre de LFEE, il me semble. C'est Marseille? Non. C'est un centre, je crois que c'est la FIR de Reims, qui est en train de fermer actuellement. Voilà. Donc, il suffit de sélectionner tout simplement en double-cliquant la fréquence sur laquelle vous voulez vous rendre pour écouter les communications et vous écouter tout simplement les communications. Vous remarquerez que l'onglet ici MSG est devenu rouge et il vous donne des informations concernant votre serveur, voilà, votre VID, votre ATC rating, donc votre niveau en tant que contrôleur. Voilà, voilà. Donc l'ATC box s'est rempli. On voit tous les contrôleurs actifs dans la région. In-out box également avec le seul et unique trafic qui vient sur l'aéroport. Qui sort de l'aéroport, pardon. O, c'est pour outbound, ceux qui partent. Donc, outbound, LFBD, départ de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Ça, c'est l'heure prévue par le plan de vol de départ de l'avion, donc 15h UTC. Vous avez le call sign et vous avez le type d'avion. Et ça se voit qu'il n'a pas eu de clairance par un centre de contrôle, parce que s'il avait eu une clairance, il y aurait eu des informations ici, sur la suite de la ligne, sur l'altitude et le... Comment ça s'appelle ? Et le point de passage vers lequel l'avion ont été autorisés à aller, tout simplement. Voilà, donc on rentrera plus en détail sur les avions dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi celle-ci. J'espère vous avoir aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Tchuss! Le mieux, c'est de garder un repère visuel sur l'aéroport. Enfin, un contact visuel sur l'aéroport. Et c'est pas forcément...